Salut tout le monde, ici Stuvox. On continue le let's play de Vermintide 2. En fait, on a tout terminé les maps du jeu de base. Les 13 cartes du jeu de base sont faites en mode recrue. J'ai décidé de la classe que j'allais grinder, qui est le tracker que j'ai en ce moment. J'utilise les épées doubles et l'arc avec tir rapide pour l'instant. Je vais craquer la difficulté à partir d'aujourd'hui. On va y aller en partie rapide, en difficulté vétéran. Donc, c'est parti. On va faire plus attention, là. En recrue, c'était facile, mais... là, je pense qu'ils vont m'amener en plein milieu des missions déjà commencées. Non. C'est bon. J'arrive, dude. On va essayer de bloquer plus, dodger plus. Ça me stresse, là, parce que vétéran, c'est comme... T'es plus habitué au jeu. T'es supposé de connaître les ennemis, qu'est-ce qu'il faut faire, toutes les choses de base, là. Donc, je me sens prêt. Au pire, on va failer. Est-ce qu'on peut skipper ça? Peut-être que les gens attendent après moi. Are you hearing me? I hope not. Parce que je pense qu'ils peuvent m'entendre, hein. J'ai déjà entendu un joueur parler. J'espère que mon microphone n'est pas activé. On va suivre un peu plus, on va faire attention. On a perdu toutes les quatre. Pour moi, on est quatre personnes. C'est la première fois qu'on fait le mode vétéran. Ouch. Ils font beaucoup plus de dégâts qu'avant. On va éviter des fights, j'imagine. Je sais pas s'ils veulent faire les trois... pas les trois, mais... s'ils veulent ramasser toutes les livres. Je sais que ramasser les livres, ça donne des bonus et tout ça. On se débrouille. Oh my god. Pourquoi mes amis sont partis là-bas là? Oh god. J'ai jeté ma bombe. Ça a-tu fonctionné? Oh my god, le jeu est vraiment plus difficile en vétéran. Faut vraiment faire attention. On est dead. Ah, puis il y avait lui dans mon dos. Oh god. Ah, je peux plus écrire. Ah. OK. Yeah, on va peut-être réessayer ça. C'est la première fois que je meurs dans ce jeu-là. Good evening. All is well. Well, not really. Ok, faut vraiment rester ensemble.
Oh, God. Rot blood foraging parties in the vicinity of Usingen. Now, that's bad enough, but it turns out some folk were too stubborn to show a clean pair of heels when it all went south. Now, we can't sit by as the crotchety old fools are being shipped off to Helmgart to be used as fodder for the Skittergate in one way or another. Make your way to Morgan's Loft Farm and save as many as you can. All right. Prise 2, les amis. Je pense que ça va être difficile de faire des vidéos de grinding sur les difficultés plus élevées là, que recrues. Je vais amener de Barry. Je vais l'utiliser tantôt, le Barry, si je peux. Restons ensemble. Lentement mais sûrement, I guess. J'ai perdu mon Barry, c'est pas grave. Oh, on est juste trois là. Entrons là-dedans. Faut rester dans le trou ici, en fait. Je sais pas pourquoi ils sont allés en dedans. Ok, let's go. Il y a une tempête qui arrive, anyway. On peut pas rester là, dude. God, Vietan. No way qu'il est resté en arrière. J'essaie de dodger. Oh my God. Plus de flèches. Oh my God. Ils l'ont quasiment, ils l'ont par exemple. S'il reste lui, ils l'ont. Ah, il n'y a pas le temps de le res. Rip. Rip. How the hell? J'ai quasiment honte, là. J'ai quasiment honte. J'ai même pas envie de montrer l'enregistrement sur YouTube. Non, je vais l'essayer. C'est mes failures d'essayer le mode vétéran. Des choses qui arrivent. The hell? Qu'est-ce qu'ils disent, les gars? Ils vont s'en aller, là. Ils vont se tanner, non? Si on n'est pas capable de passer ça, la suite va être quand même difficile. Je vais regarder mes coffres si j'aurais pas quelque chose qui pourrait m'aider. Ça serait pas magique, là. Mais si j'avais quelque chose de...
de meilleur. Oh my god, que c'est long ouvrir ça quand les gens t'attendent. Good evening. Made it through another day, eh? Je pourrais aller chercher les dagues. On va mettre les dagues pour la, cette partie-là. Je pense qu'ils ont quitté. Migration de l'autre, est-ce que j'attends? C'est donc bien rendu bizarre, là. L'expérience, aussitôt que tu joues plus à recrue, l'expérience devient bizarre. Tout ce que je veux, moi, c'est arranger mes choses. Comme ça. Faudrait que je regarde un petit peu plus les stats. On l'a quand même assez important. Bon. Ben, choisis quelque chose, mon homme. On va s'essayer. Faut vraiment être 4. On peut pas jouer avec les bots. Avec les dagues, je pense que j'aurai plus de, des bonnes, des meilleures dagues là, que les épées que j'avais. C'est pas des épées, mais ont vraiment des meilleures stats. Faut-tu attendre longtemps? Je pense que tout le monde est dans le mode chaos. Parce que ça vient de sortir. Do not mess the army life, Sergeant. Comrades in arms instead of us. Don't miss the marching. Est-ce qu'on s'essaye à deux, mon homme? Moi, je pense qu'on est dead. Cette vidéo-là, je vais l'appeler. En tout cas. Je vais donner un nom qui fait qu'on s'est fait rentrer dedans comme faut. J'aimerais ça, tu sais, on est en mode vétéran, ben je sais pas, on a, mettons t'as déjà fait la carte, tu pourrais skipper le dialogue du début, malgré que il y a un loading à faire de toute façon, apparemment. C'est quoi cette carte? Oh my god, je m'en souviens plus, c'est quoi ça? Oh my god, une carte que j'ai jamais fait en plus. Ou je m'en rappelle plus? On est dead. Pourquoi je me rappelle plus de... Ah oui, ça me revient tranquillement. Je vais suivre notre ami. Ah non, cul-de-sac. This hostess never stood a chance. Those without swords seldom do when war reaches their door. These are the depths to which the Northland has stooped. And you're telling me you'd stay your blade simply because your foe was unarmed? Heresy is as potent a weapon as any sword. Potion on my position! Oh my god. Comment tu veux t'en défaire? T'as même pas le temps de réagir. C'est stupide. Vraiment pas le temps de réagir, je trouve. C'est trop exagéré. Faudrait avancer, je pense. Au lieu de rester coincé ici. Oh
Oh god. Soigne pas. Un baril, on l'amène-tu le baril? Oh god. J'ai pas peur du tout. Le jeu prend tellement une autre dimension en vétéran là. C'est juste recru, ça te montre juste comment jouer. Faut-tu avancer? On avance-tu? Personne qui monte ici. Au fond, le truc, c'est de pas aller en bas. Tu sais, si je me faisais poigner comme ça, si je me faisais prendre, puis que j'étais en bas. Alright. Bref. Pas mal plus difficile, hein? I shall never complain about another swarm, so long as I never again set foot in a sewer. Down these steps. Oh god. Là, j'ai peur. Pour comment ça j'ai plus de flèches? No way. Il y a trop de vie. Oh my god. Il n'y avait pas des balles ici? Non. Je pensais qu'il y avait un petit panier de munitions. Boom! Boom! You're dead. Hold you my help next time. Oh, spoiled are hard work. But such work is its own reward, crevard. J'ose même pas imaginer que je vais craquer un jour, je vais craquer de la difficulté de ce jeu-là. Is it too much to ask for a moment of respite? Alright. Je suis pas sûr que je me tire en bas. Prends-le. Prends pas, ok. Je te suis. J'ai plus de flèches. Bon, je sers absolument à rien. Il
Y a de quoi ici, mais je suis pas sûr. You should never grade evils, Crobat. For if one is the worst, then you might be tempted to kinship with the least. Keep killing like this, and I'm gonna lose my bet. The weave is screaming. Kill that light stormer. Ça manque de munitions dans cette map. Ma classe sert pratiquement à rien. J'ai pas plein de flèches. Montons en haut. C'est un bon truc, ça. Tu montes en haut, puis t'as juste un endroit où tu peux te faire attaquer, en fait. That's it. Oh non, c'est pas le puzzle de... Oh god. C'est-tu le puzzle avec les signes et tout? Alright. Ouais, triangle. Non, t'as peu. Triangle. On va aller voir l'autre. Je sais qu'on faisait ça vite. Araignée, je sais pas trop les signes là. Le signe de... Je vais aller faire ça. Je suis pas mal sûr, plus vite qu'on fait ça, mieux aussi pour cette carte-là. Ah, je l'ai eu. Oh my god. Je l'ai pas tué sur le coup. Oh my god. Thank you. Oh boy. Ok, ok, ok. Alright. Here, ammunition. Alright. This isn't ordinary, muck, Dory. Ça me fait aller par là. Je me trompe pas. Stairs, meat flies, stairs.
Je veux pas qu'il me touche. J'avais pas le choix. On est coincé ici, fait que... On va reculer, là. Pas sûr que c'est un bon endroit. J'ai pas de healing. Ok, vite. Oh non! No way qu'il est resté coincé là. Oh non! On est tout à moitié mort. Ils sont bien rendus solides. J'ai besoin de life. We need life. Life! I need to heal. Show some patience. Ok, Tu es allé par là, tu penses? Tainted flame on that wind. Warp fire. Nicely done, Dory. I've done one bother us now. Non, on va pas par là, mec. Le but c'est d'aller par là. Dude! Got your ladder! No more kills for you, assassin! Les tuer, hein, ouais. Dude! Qu'est-ce que tu fais? Oh god. On aurait personne dans le dos, je pense, si on reste, si je reste ici. Il arrive d'où lui? Y'en a qui arrivent dans le dos, là. C'est le shit. Moi, je dis on descend au plus Chris. j'ai sacré, ça veut dire... Faut vraiment y aller, là. Là, faut trouver des potions là. Bandages, filthy of course.
This isn't over. On les entend arriver. So, even the air has texture in here. Kelly. I think that's a Glover deer. Poison rat's dead. Look out, Glover! Okay, good. Il y a un trou ici, man. Non? Ok, lui, il se pense Superman. On va jouer en Superman. On peut bien rester dans ce corridor là. Et si on passe cette carte là, ça va être ma première carte en vétéran. Oh god. Oh god. Je le lève. Il y a un mob en bas. Je me soigne. Prends ça. Boum. Ouch. Pas cette flèche dans ce tableau. J'ai pas la classe parfaite non plus, hein. Faudrait que je prenne la classe qui nous donne de l'invisibilité et tout ça. On va l'avoir. On a-tu perdu quelqu'un? On a perdu un bot, hein? Dommage. Oh my god. Juste des potions puis des trucs. J'ai-tu pris un grimoire? Oh, j'ai pris un livre. Down here, glick at mayflies. Je vais laisser le tombe là, finalement. On va se rendre à la fin. J'ai plus de flèches. Je voulais tirer, mais... Fais chier. Oh, fais chier. Je peux même pas m'en affaire. J'ai plus de flèches. C'est stupide. Tiens. Un peu de flèches ici.
qu'on amène le tome? Je sais plus. Je sais plus, je suis trop noob. Je suis déjà surpris qu'on soit déjà encore en vie. Oh my god, des munitions. Il va y avoir un boss, c'est sûr, je m'en rappelle plus. Ah oui, oh my god. Mais c'est pas si pire. Mais en mode vétéran, ça doit être autre chose. Faut se tirer les dents en même temps là, dans l'affaire. Là. You ready? Let's go. Saute. C'est juste des vagues d'ennemis en fait. Il y a peut-être un élite là, un gros mob, mais en général c'est juste. C'est juste du wave. Oh my god. Pas le temps d'avoir des ennemis dangereux ici. No way. Je me heal. J'attends un bon moment pour me healer là. Lui il essaie de se healer je pense. Ok je pense que c'est un bon timing. No, that's not. Je pense que ce serait un bon timing là. Mais c'est donc bien malade! Oh god! Je pensais que c'était un gros. J'ai eu peur. Oh god! S'en occupe. Faut pas aller dans le milieu, on est tellement lent. Mais les ennemis ne sont pas. On a quasiment terminé. Peut-être qu'il y a peut-être une phase 2 avec un boss. J'ai de la misère à me souvenir un peu de ce qui s'est passé. L'as-tu? C'est plus les mobs spéciales qui font que ça devient dur en fait. Si tu les oublies, ça peut devenir mortel. On l'a eu? On s'en va? Go away! Run! Run! Le NPC est déjà tanné. On s'en va. Dude! Come on! Ah, ma première map vétéran. Nice. Ça a pas été facile les deux premiers coups. Dans l'autre carte, là, on s'est carrément planté. Mais cette carte-là est faisable. Cette carte-là, je la trouve faisable. Oh, allez-vous-en, là. Nice. Donc, j'imagine que ça donne des meilleures récompenses, des meilleurs coffres. Plus d'XP et tout. Point de talent. Hein. Parce que je suis déjà rendu au level 20. Good job.
Good job, random man. Alright, moi je vais m'arrêter là. Mais ouais, le mode vétéran, ça commence à être du sérieux, je vous dirais. Là, ça commence à être du sérieux. Donc moi j'arrête l'enregistrement là. Je vais dire un gros thank you. Je vais quitter le groupe, malheureusement, pour arrêter l'enregistrement. Vraiment cool. Je suis surpris que le mode vétéran... je suis surpris entre le mode recrue et vétéran, comment la difficulté augmente. On s'attend pas à ça. On pense que le jeu est facile. Mais ok, il est... ouais. Ça a vraiment de l'allure. Je vais voir les coffres. Puissance max 300. Avant, c'était 100. Donc, les coffres donnent des meilleures récompenses. Donc, on va grinder... Je vais essayer de faire une autre vidéo vétéran. Peut-être même 3. Gros max. Puis tout le reste du grind, je vais le faire hors enregistrement. Je vais grinder tous les items. Je veux qu'ils soient level 300. Vu que les coffres donnent des items le pouvoir maximum 300. On va vouloir grinder tous nos items à level 300. Comme vous pouvez voir, il y a du chemin à faire. Je vais faire beaucoup de grind hors enregistrement. Ce qui est cool. Ce qui est cool, genre du fun. Puis, je vais peut-être faire... C'est ça que je vais faire. Je vais faire deux... je vais faire une mission parce que je me fais rentrer dedans à cause de la difficulté vétéran. Puis je vais faire deux autres vidéos vraiment plus tard quand je vais avoir grindé. Puis je vais être sur le bord de dire, bon, je m'en vais monter la difficulté à légendaire ou je sais pas trop c'est quoi le mot, là. Ben là, je vais faire deux vidéos vétérans, mais je vais être rendu habitué. Puis un peu meilleur. Donc, ou genre une vidéo quand je suis pas bon, puis une vidéo quand je suis bon. Après ça, on change de difficulté, on fait la même chose. Une vidéo au début quand je suis pas bon dans la nouvelle difficulté, puis une vidéo au début, à la fin du grind, quand je suis rendu un peu plus meilleur à la fin du grind. Bref, j'espère que ça fait du sens tout ça. Moi, ça fait du sens dans ma tête. Ça fait bien du sens. Je vais mettre meilleur gear. Ouais, ça, c'est bon. Puis on a eu notre point de level 20. Augmente la regen de PV de Kirlian grâce à Amaranth de 50%. Wow! Amaranth réduit le temps de recharge de salve de flèches pures de 5%. Ça, c'est mon spécial. Ne restaure plus la santé. Amaranth affecte également les autres membres du groupe. Ah, tout le monde healerait. Amaranth, c'est... Attends un peu, je veux juste confirmer. Où qu'on voit ça? Amaranth, c'est... regagne 3 PV toutes les 10 secondes lorsqu'ils sont à moins de la moitié. Donc toute mon équipe healerait au moins jusqu'à 50% tranquillement, pas vite. Là. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Sinon, il y avait l'autre chose qui était un peu plus égocentrique. Là, qui était... augmente la regen de PV de 50%. Donc... je serai à 4.5. Ouais, ça vaut pas la peine. Je vais le mettre à tout le monde. C'est un, ça devient un jeu d'équipe là, avec les difficultés vétérans et plus, je trouve. On a... supposément de l'équipement que j'ai pas regardé parce qu'il y a une étoile ici. Probablement que c'est ça ici. Bref, ouais, c'était ça. On a débloqué des apparences aussi, tant qu'à faire une longue vidéo. capuchon de tracker... On a... Oh! Demi-masque de gardienne Sylvaine. Oh! Nice! On a un corne de Curnus. C'est encore plus, plus rare. Oh my god, j'adore ça. J'adore ça. L'accoutrement de chuchoteur. Pas si mal, pas si mal. Mais ça, j'adore ça. Je garde ça. Et pour la skin du héros... Bah, c'est ça. That's it. Pourquoi il me dit qu'il y a encore quelque chose?
Ça? Qu'est-ce qu'il voulait me montrer? Ça ici? C'est quoi? Cadre du portrait. Ah! Mon portrait, le... Ah, c'était assez basic. J'avais pas jamais remarqué ça. De même, c'est vraiment plus cool. Puis tant qu'à faire, on va faire du... la récupération. Puis, je sais pas si éventuellement on peut crafter des choses intéressantes, là. Ça serait bien. Tant qu'à récupérer autant de choses, je me dis, est-ce qu'il y a moyen de se crafter au moins une petite upgrade intéressante de temps en temps, tu sais? Je sais pas. C'est quasiment addictif, c'est juste faire ça. Je commence à en avoir pas mal de ressources d'un peu de tout, là. La poussière flamboyante, j'en ai jamais trouvé. Permet d'améliorer des objets exotiques en vétéran. Donc j'imagine que ces ressources-là, en fait, ça va être quand on va trouver du bon gear, puis on va vouloir les upgrader. Puis c'est genre du gear qu'on veut garder parce qu'il n'y a pas meilleur que ça. Mais on peut changer les stats... T'sais, genre faire un genre de petit jeu de mini-gambling pour changer les stats, voir si on n'en aurait pas des meilleurs. Des choses comme ça. Je pense que c'est à ça que ça va servir. Je vais aller voir vite vite. Oh, ça m'a donné un truc rare, on dirait. Bref. Fabriquer un objet. Ça prend de la ferraille, mais j'ai juste les choses de base qui donnent des choses de pouvoir 5. Donc c'est rien là. J'imagine qu'on en débloque plus tard, je sais pas. Ici, on réassigne les propriétés, donc c'est ça. Si je veux avoir des nouvelles stats sur mes objets, je peux m'essayer. Ça, c'est cool, ça coûte certaines ressources ici. Mais ça donne rien de faire ça sur des items qui sont pas au pouvoir maximum. Donc, bref. Ici, on réassigne les traits. Si on améliore un objet, faudrait que je le déséquipe, j'imagine. J'ai envie de le tester. Je vais... équiper le... non. T'as peu... Est-ce que je vais le voir dans artisanat? Oui. OK. Ça va-tu l'améliorer, vous pensez? Je vais regarder. Là, il y a pouvoir 137. Plus 3, plus 24. Ça m'a donné pouvoir 137, plus 22, plus 30. C'est pas les mêmes stats. Augmente le rayon d'explosion de grenade de 50%. Ben, ok, ouais, c'est... ça peut devenir addictif, ça. Je vais faire attention de pas trop abuser de l'artisanat. Je vais garder ça, je vais garder mes ressources pour des choses qui sont utiles, en fait. Transformer la poussière en une rareté inférieure. Appliquer une illusion. Ah ouais. C'est malade. Si je fais ça, je peux mettre une illusion. Ah, c'est un skin. Est-ce que j'ai des skins de... En fait, moi, j'ai pas la bonne arme. Hein. Ici, j'ai vendu mes double épées. Donc la prochaine fois, c'est double épée qu'il va falloir que je remette, là. Bref, j'arrête ça là. C'est vraiment cool. Le jeu devient intéressant, devient addictif. Tu veux le grinder et tout ça. Vraiment cool. Donc la prochaine fois, la prochaine vidéo que vous allez me voir enregistrer, je vais avoir grindé le mode vétéran beaucoup. Et puis... je vais être sur le bord de vouloir changer de difficulté vers champion, là, tranquillement, pas vite. Donc, je vais être probablement sur le bord de vouloir changer. Donc, ben, j'espère que j'abandonnerai pas ce jeu-là d'ici là. Écoutez, je vais prévoir le coup à l'avance. Si c'est ma dernière vidéo sur Vermintide 2, eh bien, j'ai adoré en faire.
J'ai adoré y jouer. Si jamais il y a des circonstances de vie qui fait qu'il y a d'autres jeux qui arrivent et j'oublie de jouer à Vermintide 2 et j'y reviens plus et je perds le goût d'y revenir, je suis désolé à l'avance, mais c'est des choses qui arrivent en tant que gamer, là. On passe d'un jeu à un autre, on désinstalle, on installe, tu sais, c'est à un moment donné. Surtout avec des jeux pas de fin comme ça, c'est comme, bah, j'ai garoché 20 heures dedans, c'est assez, je passe à autre chose. Le temps de notre vie est limité, fait qu'on veut essayer d'autres expériences. Mais j'ai adoré, et j'adore vraiment ça, là. Donc, si je fais pas d'autres vidéos, sachez que, chose sûre, je vais le grinder hors enregistrement. J'adore ce jeu-là. Merci à tous ceux qui m'ont regardé pendant ce Let's Play de Vermintide 2. Il y aura probablement une suite, mais je ne promets rien. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit dans d'autres aventures. Faites attention à vous autres. Bye bye!